Julie. Madame de Crampon. Pour être à l'heure, nous sommes à l'heure. Oui. Nous aurions voulu faire exprès. Je suis très heureuse de vous revoir. Comment allez-vous depuis la dernière fois? Oh, vous savez. Oui, je sais, je sais. Cela va faire bientôt un an que ce cher Victor nous a quittés. 3 ans, Madame de Crampon. 3 ans, voilà, voilà, voilà ce que je voulais dire, 3 ans. Comme le temps passe vite, hein. Ce sont les minutes qui sont longues. Lady? Ce sont les minutes qui sont longues. Bien sûr. Bien sûr. Surtout la nuit. Surtout la nuit. Ce cher Victor. Il vous aimait bien, Madame de Crampon. Avant qu'il ne tombât muet, il me parlait souvent de vous. Mon Dieu, quelle idée a-t-il eu de tomber muet? La paralysie, chère madame. La paralysie, cela a commencé par le côté droit. Le côté du foie. C'est qui? Le côté du foie. Le côté gauche, le côté du cœur, le côté droit, c'est le côté du foie. Peut-être. Remarquez, bien avant sa première crise, j'aurais dû me méfier. Si on le savait, hein. Nos rapports s'espaçaient de plus en plus. Ah oui. Donc, racontez-moi ça. Ceci entre nous, Madame de Crampon. Mais Julie, vous connaissez ma discrétion. Donc, vous me laissez entendre que vos rapports... Enfin. Mon mari était ce qu'on peut appeler un chaud lapin. Ouais, un chaud lapin. J'adore cette expression. Trop chaud, même. Je le soupçonne d'avoir incendié tout le combustible qui se trouvait dans son entourage. Le nombre de secrétaires et de dactylos qui montèrent en grade dans son service. Non, c'est pas possible. Ne croyez pas que je veuille le chercher, ce pauvre cher Victor. Je lui procurerais volontiers toutes les femmes de l'univers si cela pouvait le faire jaillir de son tombeau. Vous irez jusque là. Encore plus loin, Madame de Crampon. Encore plus loin. La passion ne s'arrête pas à ces petits détails. Quand je pense à la scène que j'ai faite à la crémière. Oh, parce que la crémière aussi. Tous ces fromages blancs en pleine figure. Oh, Victor. Je te demande pardon. Julie, je vous en prie, asseyez-vous. Si on nous voyait. Excusez-moi, la douleur m'égare. Donc, si je comprends bien, Victor, vous négligez? Moi? Pas du tout. Eh bien? Eh bien, comme je vous l'expliquais, avant sa première crise, mon époux n'était déjà plus tout à fait le même. Nous restions parfois 10 jours, 12, 13 ans. Oui. D'abord, je m'étais accusée. Julie, tu es froide. Julie, tu n'atteins pas les sommets de ton Victor. Julie, tu manques de souffle. Ah ben, il était très exigeant, quoi. Exigeant? Oui. Non. Non. Raffiné, surtout. Raffiné. Il s'appelait Badouin, comme vous le savez. Mais, en réalité, il descendait directement des deux saintes fois Villemur de Saint-Onge. Comme cela? À la Révolution, son ancêtre, Jules de Sainte-Foy Villemur de Saint-Onge, afin de s'éviter quelques désagréments, avait emprunté le nom de Badouin. Ou plus exactement, il avait payé un certain César Badouin pour qu'il aille se faire guillotiner à sa place. Et ce monsieur Badouin se laissa trancher la tête par procuration? Oh, vous savez, pour de l'argent. Enfin, tout ceci à cette fin de vous expliquer les subtilités de mon défunt.
du sang bleu coulait dans ses veines. Vous, madame, une de crampons, me suivez certainement. Je vous suis. Donc, pour en revenir à ce qui nous occupe, après m'être d'abord accusée, je me rendis compte que j'exagérais mon incurie en ce domaine, que ma froideur pouvait nourrir des feux redoutables. D'autres anguilles sont sous roche, pensais-je. Un soir, s'il était rentré encore plus tard que de coutume, je le suivais dans la salle de bain, je fermais la porte à clé et je lui dis « Victor, je reviens, choisis, c'est moi ou Barnabé ?» Barnabé. Oui, Barnabé, le nouveau comptable. Ah, c'est parce que Victor, monsieur Badouin... Oui, évidemment, c'était un très beau garçon, les yeux surtout. Jamais on aurait soupçonné que ces yeux-là mangeaient les chiffres du matin au soir. Eh bien, était-ce cela qui leur donnait cette pureté, cette sorte d'éclat mathématique? Julie, vous ne vous sentez pas souffrante, là? Je vous ennuie avec toutes mes histoires. M'ennuyer, mais pas du tout. Mais que répondit Victor lorsque vous lui parlâtes de Barnabé? Rien. C'est à partir de ce moment-là qu'il tombe à muet. Déjà l'horrible maladie rongeait sa moelle de chef de bureau. Et moi je l'accusais, ce cher esthète, accablé. Je versais dans la mesquinerie les petites questions, les petits points de vue. Oh, Victor, je te demande pardon. Julie, je vous en prie, Julie. Oh, excusez-moi, le remords me tue. Ouais. Pauvre cher ange, pauvre tulipe noire. Quand vous n'êtes pas madame de Crampon. Mais Victor, je suis pas Victor, Julie. On dit ça. Un peu de dignité. Redressez-vous. La terre continue de tourner. Les feuilles de grimper aux arbres, les petites filles sautent à la corde. L'océan joue du binou, tiens. Les oiseaux cuit-cuit. La France. Ah, oh. Oh, les oiseaux. Il aimait tant les oiseaux, Victor. Madame de Crampon, donnez-moi votre chapeau. Mon chapeau? Oui, votre chapeau. Il aimait tant les oiseaux, Victor. La première fois qu'il viola une petite fille, je lui demandais, oh, tout doucement, pour ne pas le froisser. Victor, pourquoi as-tu fait cela? Vous ne savez pas ce qu'il m'a répondu? Ma foi, non. Parce qu'elle ressemblait à un petit oiseau. Oh, c'était un poète, mon Victor. Non, c'est pas possible. Un homme si distingué, si ponctuel, jamais un mot plus haut qu'un autre. Je vous en prie, chère grande amie, Victor me commande ce chapeau. Plumez ou déplumez, je l'obtiendrai. Bah, tenez. Puisque cela peut faire votre bonheur. Comment osez-vous me parler de bonheur? Où les beaux oiseaux? Oh, les gracieux volatiles. Julie, vous n'êtes pas dans votre état normal. Parlez-moi de votre Victor. Hein, ce cher Victor. La première fois que je l'ai rencontré, c'était à l'enterrement de votre grand-mère. Hein? Vous rappelez de l'enterrement de votre grand-mère, hein? C'était le bon temps. Je me souviens, c'est lui qui l'a tué. Remarquez, à partir d'un certain âge, il est indécent de ne pas mourir, hein? Non seulement indécent, mais immoral. Très juste. Vous voulez que je vous raconte l'histoire? Ah bon, je crains qu'il fasse tard. On bavarde, les heures tournent. Ma grand-mère, comme beaucoup de vieillards, adorait les confitures. La gelée de groseille, surtout. La gelée de groseille. Oh oui, elle aurait vendu son âme pour un seul pot. Un dimanche d'avril, nous étions en famille... Et remarquâmes que Victor s'était approché de son oreille en lui glissant quelques mots dans le tuyau. 10 minutes plus tard, leurs deux places se trouvaient vides.
cœur me lâche. Hein? Je sens que mon cœur me lâche. Où pouvait-il être? Où pouvait-il être? Dans la cave! Victor m'avait coincé entre deux pots de confiture et avait abusé d'elle. Lorsque nous arrivâmes, trop tard, elle était morte! Morte! Comme quoi la gourmandise est toujours punie! Naturellement, Mathis! Chacun fit comme s'il n'avait rien vu. Dans la famille, nous sommes très chatouilleux sur les questions d'honneur. Vous savez que Victor avait la rosette? Morte! Eh bien, madame de Crampon, que se passe-t-il? De l'aide! J'ai besoin d'aide! Alors, madame de Crampon, vous n'allez pas partir! Moi, je sais pas, bien! De l'aide! Vous ouvrez les fenêtres! Alors, madame de Crampon, c'est moi qui suis veuve, ce n'est pas vous! Ouvrez les fenêtres, laissez rentrer les oiseaux! C'est votre chapeau que vous voulez! Tenez! Je vous le rends! Je pense que j'ai couché avec ce monstre. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Un homme si ponctuel. Oh, Victorie! Mon Victor, dis-moi que c'est pas vrai. Oh, Victor! Mon Victor! Oh, ça y est, j'y suis! Ça devait se passer entre le 21 mars et la mi-juillet. Je lui demandais, qu'est-ce que tu fais en ce moment, mon grand? Il me répondait, invariablement avec une fine lueur dans le regard. Je me cramponne! Je me cramponne à cet énoncin! Pardon, mon grand! J'ai dû te rendre bien malheureux pour que tu ailles chercher consolation chez cette vieille chouette! Qui parle de chouette, là? Pardon, mon grand! Pardon! Toi dont l'ombre couvre encore toute chose! Mais qui est cette femme? Comme elle paraît souffrir. Qui êtes-vous, madame? Qui suis-je? Au cruel destin de la femme qui ne peut être qu'en n'étant pas, qui ne peut se trouver qu'en se perdant. Comment puis-je ne plus être afin d'être, puisque l'objet de ma perte n'est plus? Vous avez perdu quelque chose, madame? Je fais semblant d'être. Mais ce faisant, je trompe l'univers. Je trompe le plus petit brin d'herbe, le moindre bourgeon, le moindre tard. Je me trompe moi-même et je trompe Victor, pardon mon grand. Ah bah Victor, hein, j'ai déjà entendu ce nom quelque part. Ce corps inutile n'est plus qu'une terrible vacuité, incapable de donner réalité à la plénitude. Veuve. Je suis veuve. Ben voilà, veuve. Je me disais bien aussi. Qui êtes-vous, madame? Votre amie. Votre amie? J'ai déjà dû vous rencontrer. Le bon Messie petit. Surtout lorsqu'une peine incommensurable l'habite. Dites, madame, est-il vrai que tout corps plongé dans l'eau subit une poussée verticale de bas en haut capable de le projeter jusqu'aux étoiles? C'est exact. Alors je vais aller me noyer. Ne dites pas de bêtises. Mais, tenez, asseyez-vous. Voici deux chaises qui semblent avoir été créées exprès pour vous et pour moi. Elles sont bien bonnes. Il y a très longtemps, j'aimais un homme. Ben, Victor. Comment savez-vous? Vous me l'avez avoué vous-même tout à l'heure. Toutes les femmes aiment un Victor. Il leur faut bien un monstre pour leur donner prétexte à leur propre labyrinthe. Oh, vous dites des choses fortes, madame. Ben, depuis quelques minutes, là, ça fait clic là-dedans. Clic? Clic! Il doit faire au moins 6 heures. Tu crois, Honorine? 6h15.
Oh, encore 5 minutes seulement. Non, je t'assure, elle va entrer ma petite caille. Hein. Oh non, pas tout de suite. Ce soir, nous sommes sublimes. Quel dialogue j'en ferai mis encore. Mais moi aussi, je me sens plus le même, surtout le moment avec le grand-mère et la pot de confiture. Mais le temps tourne et il y a des contingences. Des contingences? Ah bah oui, des machines à laver, des enfants à fouetter, la viande à mastiquer et les journaux à balancer. Mais du nerf, Suzanne, on revient dans demain comme avant-hier, comme après-demain. Et on parlera de Victor. Oui, et je m'amènerai mon perroquet. Oh oui, amène ton perroquet. Comme ça, on se fera enregistrer. Et moi, je mettrai ma robe de mariée avec son brassard noir. Oui, d'accord. Au revoir, ma petite Suzanne. Au revoir, Honorine. Demain, même heure. Bye bye, mamie. Bye bye, papy. Arrivederci. La nuit s'approche au grand galop. C'est cuit, je vais aller au dodo. Hasta luego. Mange à balai. Mange à gigot. J'ai une puce qui me gratte dans le dos. Demain matin, mon drap blanc. Au ras des taches de sang. À Rome, un pape baille. Éternellement debout. À l'autre bout, un bébé braille. Bye. Cher petit géniteur. Voici l'heure où c'est l'heure. Portez-vous bien. Ne baissez rien. Ne dites pas de mal de votre voisin. Moi, je vais me plonger dans les nébuleuses. Dans de merveilleuses visions. Et vous, dans la télévision? Et en fermant les yeux, vous serez encore plus vieux. Les nouvelles du monde entier vous feront comme un dentier. Et moi, je serai plus belle. Au creux de mon oreiller. Que la princesse Isabelle. Quand elle a la senouille. Ciao, au revoir.